Et si l'or poursuit sa stratégie d'expansion, le numéro 1 des verres ophtalmiques a réalisé plusieurs acquisitions aux États-Unis, au Brésil, en Inde, en Afrique du Sud et en Asie pour un montant d'environ 30 millions d'euros. Le groupe détient notamment la majorité du grossiste en verres ophtalmiques en Inde. Et l'opinion des analystes de l'OPSA sur cette valeur est baissière. Le titre recule légèrement de 0,41% en fin de séance.